Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors ce soir, comme vous savez les gars, c'est la fin de la top CL. Donc tous ces joueurs-là, les gars, ils seront plus dans les packs. Voilà, on pourra plus les choper dans les packs. Donc ça veut dire que tous ces joueurs-là, normalement, leur prix augmenteront. Donc bonne nouvelle. Voilà, pour ceux qui font de l'achat vente, c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, on sait qu'on peut investir et on pourra les vendre plus tard parce que normalement leurs prix vont augmenter. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis surtout consacré à deux joueurs. Voilà, parce que j'ai 400 000 crédits là que je voudrais investir. Je vais pas prendre un Muller qui coûte 500 000 crédits, ça sert à rien. De toute façon, je ne les ai pas les crédits. Je préfère prendre des plus petits joueurs, vous voyez. Par exemple, c'est comme Godin que j'ai envie de prendre et Alder Webb, le défenseur de Tena. Donc Godin, en fait, la Tots BBVA, voilà, il est descendu. Donc la Tots BBVA, ça remonte pratiquement à 3 semaines. Donc quand c'était la Tots BBVA, il coûtait vers les 130 000 en fait. Ok, donc voilà. Dès que c'était fini, vous voyez, après ça a été la Ligue 1 et Serie A, son prix l'a monté à 200 000 les gars. Pendant une semaine, il était à 200 000. Vous voyez, donc déjà 135 à 200 000, il avait bien monté. Et ensuite, dès que, voilà, à partir de vendredi dernier, vu qu'il était dans la Tots CL, déjà qu'il pouvait leur paquet, son prix l'a redescendu encore à 130 000 les gars. Il est redescendu encore à 130 000. Donc, moi en fait, mon but c'est de les acheter voilà, à 130 000 là et essayer de les revendre la semaine prochaine quand ils remonteront à 200 000. Pour ça, je voudrais en prendre peut-être un ou deux, je vais voir. Donc voilà, ce serait vraiment pas mal. Ce serait de prendre des crédits. Sûr. Après voilà, ça c'est avoir quand même des crédits en réserve pour faire ça. Si vous n'avez pas beaucoup de crédits, ça n'a rien d'investir comme ça. Continuez à faire la TK2, c'est très bien. Mais si vous avez des crédits, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez investir. Moi je vous conseille des joueurs, par exemple, bah, voilà, Godin et Alderweireld, que là je crois son prix il a 68 000 crédits. Donc pareil, quand c'était la toute BPL, il a 68 000 crédits. Et ensuite, voilà, ensuite il est remonté à 100 000 crédits. Donc 100 000 crédits, voilà, ça fait 40 000, voilà, pratiquement. Et 35 000 de plus, donc voilà, si vous n'avez pas trop de budget, prenez plus lui que lui. Mais bon, moi je compte prendre d'un Godin ou deux, on verra. Et Alderweireld, donc on va regarder vite fait les combien il coûte. Donc vous voyez, j'ai 441, hop, on tire vite fait là. Alors Godin, donc j'ai déjà mis spéciaux, voilà, j'ai déjà mis 120 à 131 parce que c'est son prix là actuellement. On va regarder s'il y en a un. Donc là, vous voyez, là il y en a un 131 et il y en a un autre à 131. Donc je me dis, je pourrais même prendre les deux à 131 parce que j'en ai encore un autre dans ma pile, les gars. Après celui-là, je peux les prendre à 131 maintenant. Et vu que ce soir à partir de 19h, vous voyez, c'est fini là. Il n'y aura plus Godin et son prix, en plus, vous avez vu les stats qu'il a, il restera jamais à 130 000 crédits. C'est obligé qu'il va augmenter. Donc moi, je trouve que la 131 000, c'est pas trop cher. Donc vous savez quoi, on va juste regarder. On va juste actualiser un peu si on n'a pas de nouvelles. Après, moi, ce que je vous conseille, parce que voilà, la vidéo va tourner dans l'après-midi. Si vous pouvez attendre vers 5h ou 6h, vers les packs à 100 000, ça se trouve, il y en a plein qui vont le paquer et ils vont faire chuter son prix. Voilà, moi j'achète avant parce que je ne sais pas si je serai sur la play à 5 ou 6 heures. Donc vous, je vous conseille, voilà, si vous avez des crédits à utiliser, vous gardez Godin à partir de 5-6 heures que tu auras les packs à 100 000, là, les packs illimités, les gens, il y en a plein dans le paquet, vous leur mettez au prix des prix encore moins chers. Je le choperai peut-être à 120 000, 10 000 de moins. Donc moi, je vais quand même les choper à 130 000, je trouve, c'est très bien. Et regardez, 122 là. Oh là, déjà 1 à 122, 122 c'est déjà très bien, regarde, on a déjà chopé 8000 de moins, pas même 9000 de moins, donc c'est déjà très bien. À la base j'ai acheté les deux à 131, j'ai déjà chopé un à 122. Donc ce que je vous conseille les gars, c'est voilà, en fait je voulais acheter un 131, mais vous savez quoi, je crois que j'ai même pas mis, mais bon, je sais pas moins d'heure de la vidéo. Mais bon, vous voyez bien que ça tombe, on va essayer de choper vers 120 et tout. Et surtout vers 17-18 heures tout à l'heure, quand il y aura les packs, je suis sûr déjà vos packs, bon, il va chuter son. Et à partir de samedi ou dimanche, bon, son prix va commencer à monter et il va redevenir, je suis, il va remonter aux 200 000. Si vous en prenez 3-4, voilà. Après là c'est du bénéfice assuré. Donc il y a lui, voilà, donc vous mettez 120 ou même encore moins, hein. Vous pouvez mettre même hein, encore moins. Et il y a Alderweireld, donc on va vite faire aller voir l'autre, hop, c'est lui. Donc lui, j'ai dit que son prix, il est de, on va aller regarder, il a 68 000. Donc on va aller voir, on va aller en choper un ou deux, pareil, hein, vous spammez, vous pourrez en prendre un, vous pourrez en prendre plusieurs. C'est sûr que les gars ils vont remonter son prix, ne vous inquiétez pas, pas confiance. Donc là on va descendre. Hop, on va s'arrêter vers 60. On va regarder comme ça s'il y en a déjà un. Vous voyez, il y en a un 68. On va juste monter un peu plus, voilà. Donc lui en fait son prix après, normalement il va remonter à 100 000 crédits. Que voilà, c'est, je trouve 100 000 crédits. Ceux qui n'ont pas trop de crédits, vous l'investir, voilà, vous l'achetez. Même, je suis sûr, à 17h, il va être à 60 000 crédits. Ça se trouve, il sera encore 8 000 moins cher. Donc, bah après son prix, voilà. Dès que ça sera fini, la top CL, je pense qu'il va remonter vers les 100 000 crédits, comme il était avant. Hein. Je vais essayer de vous mettre les cours pour vous montrer comment c'est. Mais il remontera, c'est obligé. Vu qu'il est dans la top CL, voilà, les gens, ils le packent, ils le remettent direct parce qu'ils veulent les crédits. C'est pour ça que son prix est bas. Mais quand ils sont plus dans les packs, bah, son prix est bon. Donc voilà.
Donc est-ce que je prends lui ou pas? Au pire, voilà, je pourrais spammer vite fait quelques temps comme ça. Vous savez quoi, j'en prends un. Voilà, on va prendre les deux. Donc j'aurais pris déjà, j'ai déjà un Godin qui est déjà dans ma pile, plus lui en deuxième, plus un autre Godin que je viens de choper à 122 000. Donc 122 000, vous voyez, c'est déjà pas mal. À mon avis, je crois que je vais reprendre un autre Godin, vous voyez, pour finir la vidéo. Même deux si j'arrive à les choper à 120 000. Vous voyez, j'ai 250, ça m'en prend encore deux en plus. Voilà. Et après, vous attendez à partir, j'en suis sûr, de mercredi. Allez, mercredi prochain. Après, il faut attendre, les gars. Il faut attendre, voilà, que ça monte comme le vin. Il faut attendre un petit peu que ça monte. Que vous gardez, puis il va monter. Et je pense qu'il remontera 200 000, c'est sûr et certain. Vu les notes qu'il a, Godin, c'est sûr et certain. Donc, moi, je donne déjà un. Pour voir, je vais juste regarder s'il y en a un. Il est où? Tenez, j'ai déjà un hôtel d'Avon. J'avais déjà oublié que j'en avais acheté un autre. Donc, j'en avais deux voilà. Hier, on a chopé 73 et on a chopé 68. Vous voyez, il est encore moins cher. Parce que voilà, hier, la Dauphin, j'ai chopé 73, j'ai chopé 5 000 moins cher. Ça se trouve, sur un 17h, il sera encore moins cher. Donc, je vous dis, investissez dessus et il remontera après. Vous verrez qu'il remontera à partir du week-end, lundi, mardi prochain. Vous allez voir qu'il remontera. Donc, on a lui et en espérant qu'il remonte, comme je vous ai dit, à plus de 100 000. Et Godin qui remonte à 200 000. Vous voyez, je l'ai chopé 133, j'en ai une autre à choper à 122, puis vous voyez, il y en avait deux à 131, j'aurais pu choper, mais bon, je ne les ai pas pris. Donc lui, il a déjà mis en tech avion à 199. Maintenant, je l'ai laissé dans ma pile, maintenant j'attends juste dans la semaine prochaine, et vous verrez, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pour vous dire combien j'aurais investi, combien j'en aurais vendu. Alors, à mon avis, voilà, j'ai chopé deux autres en essayant de les choper à 120 000. Voilà, ça me fera 3, même 4 Godin et 2 Alderweireld et on vendra tout la semaine prochaine. Et là, on va taper du 250 000 crédits, c'est sûr et certain. Okay. Après, voilà, c'est plus ceux qui ont des crédits à utiliser, voilà, des crédits qui dorment dans votre canette au-dessus. Investissez-les sur ces deux jours-là, ils sont pas mal. Après, vous pouvez même investir sur du Barzagli qui est pas cher. Buffon, après, c'est un gardien, je ne conseille pas trop. Mais sérieux, les gars, Godin, Alderweireld et même Barzagli. Vous avez vu dans les trois grands championnats, donc en plus des gros clubs, en plus regardez les stats qu'il a Godin, c'est pratiquement le meilleur stade de défenseur du jeu, donc il est à 120 000 crédits, c'est obligé de prendre les clients. Après les gars, faites comme vous voulez, hein. Moi je ne juge personne, juste donne des conseils. Je vous montrerai de façon la semaine prochaine combien je vous ai vendu. Et là il est vraiment pas cher, j'ai chopé à 122 Godin, il montera ça à 200 000, il retrouvera 200 000. De toute façon vous pouvez regarder sa courbe, hein. Vous tapez Fubin, Godin carte 2, peut-être pour regarder. Jusqu'au 2 juin, c'était à 200 000, 200 000. 2 juin, c'était ben, l'ouverture des la totième, on pouvait leur paquer. Il a fait comme ça, il a descendu jusqu'à 130. Voilà. Et après, il va remonter comme ça, il va retourner à 200 000. Et voilà. Donc voilà, là, c'est des crédits, les gars, de facile à avoir. Après, vous faites comme vous voulez, si vous avez un peu de crédit, investissez dessus. Soit Alderweireld si vous n'avez pas trop de crédit. Sinon, Godin, si vous avez 500, 400, 500 ou même 600, même des Godin, si vous voulez. Moi j'aurais pu vendre, par exemple, regardez mon équipe, j'aurais même pu vendre Ronaldo et Neymar au sud, j'aurais pu en prendre au moins 10-15 des Godin. J'aurais pu faire ça. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de les vendre à perte là, parce que là ils ont vraiment chuté. Donc voilà, après vous verrez bien qu'ils se montrent, les gars. Faites-moi confiance, c'est sûr et certain. Bon, allez, les gens, c'est tout. Et voilà. Allez, à la prochaine et ciao à tous!